Salut, salut. Bon, on a travaillé un peu. Cette fois-ci, je voulais avoir une machine pouvant transporter du matériel. Donc, j'ai travaillé quelques mois avec l'équipe chez Damba Farm. C'est voici ce qu'on est sorti avec. Je vous présente, mesdames et messieurs, un premier tricycle made in Africa. Donc, on l'a fabriqué au Togo. Tout est fabriqué ici. Donc, voilà à peu près comment elle. Voilà son look. Ceci, je vous rappelle que c'est la version chinoise. Voilà. Donc, ça, c'est la version made in Africa. Donc, avec beaucoup de particularités. C'est un tricycle à moteur diesel, 22 chevaux, avec 4 pneus derrière cramponnés, donc pouvant transporter assez de charge. Donc, ici, elle est équipée d'un système de benne, de bainage. Nous allons démarrer et vous montrer. Et bien, on va te donner. On va démarrer, démarrage automatique. Un instant, on va aller au point mort. Voilà. Et bien, on va te donner. Voilà. Elle a démarré. On va faire monter la benne pour vous montrer. Et bien, on va reprendre. Donc, on va lever la benne. Donc, quoi il dit? Voilà, la benne se lève. Appréciez de vous-même. Donc, pouvoir charger et benner le matériel lui-même. Voilà, donc, le benage est en train d'être opéré. Vous voyez, ici, c'est un tricycle conçu au Togo. Voilà. Donc, elle va tradini. Elle va tradini. Voilà, on va faire descendre. Vous voyez, voilà, la benne est descendue. Bon, je voulais vous introduire aussi quelque chose. Elle va tisonner. Je voulais vous introduire quelque chose. Ça, c'est un lève-charge. Vous allez voir, c'est comme une antenne, mais c'est pour lever des charges. Ce matériel vous permet de lever 200 kg. Donc, vous pouvez lever des charges par terre et le faire monter dans la machine. Ici aussi, il est équipé d'un panneau solaire pour vous permettre de recharger la batterie de démarrage et aussi recharger vos téléphones. Donc, un kit de pilotage à volant avec les touches nécessaires. Donc, voilà, un kit de pneus bien stable. On peut estimer la charge qu'elle peut porter à 2,5-3 tonnes. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est le premier prototype que nous avons sorti. C'est assez encourageant pour Made in Africa. Contactez mon WhatsApp si intéressé. Je suis dans ma farm. Voilà. Vous avez des lumières LED très puissantes, extrêmement puissantes pour la nuit. Voilà. Je suis dans ma farm. Merci.